Hello, today I'm only going to be speaking French, and that starts maintenant. On commence en ce moment, je sens français. Je dois faire mes maquillages, et donc je vais vous mettre ici. Est-ce que vous pouvez voir? Bonjour, ça va mes amis? J'espère que vous êtes très bien aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de créer une vidéo dans laquelle je parle juste en français? C'est parce que je n'ai pas beaucoup d'opportunités dans ma vie de pratiquer les langues en général, mais en particulier français. Par conséquent, je dirais que lentement je perds ma française et je voudrais garder la langue. Ce matin, j'ai eu une classe. C'était très intéressant et aussi dans Zoom. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, vraiment beaucoup de choses. Je suis un peu stressée. Ok, je voudrais parler un petit peu de mes relations avec la langue française. J'ai commencé mes études l'année avant le lycée et après ça, j'ai continué mes études au lycée et pour un semestre à l'université. Au lycée, je dirais que j'étais pas courant, mais presque. C'est parce que mon lycée était une moitié internationale et une moitié française. Et ça veut dire que la section française, ils ont fait le bac et il était une culture francophone très forte. J'ai faim, je n'ai pas mangé encore. Je pense que c'est évident que j'ai oublié toutes les règles des temps, les différences entre le passé composé, imparfait et tout ça. Donc je voudrais dire désolé en ce moment parce que ouais, c'est pas bien et je comprends ça. Mais j'espère que partout la vidéo, je peux améliorer matériel fille. Fille matériel. Ok, non. Ah! Comment dit-on cringe en français? Celui-ci ou celui-ci? Je pense qu'ils sont mieux. Ok, on change. Les chaussures et les chaussettes. Je vais faire quoi exactement? Je sais pas yet. Kenji? Est-ce que tu veux dire bonjour? Regarde-moi! Regarde-moi! Dis bonjour! C'est difficile à dire. Je pense que les noires chaussures sont mieux. Peut-être. Je sais pas, on verra. Ok, on y va. On va trouver une location pour les photos. On verra exactement où, mais on y va. Hein. Pour manger. Ok, en ce moment c'est quelle heure? 1 h et je n'ai pas encore mangé et donc c'est le temps de manger, hein? Bon appétit! Je pense que c'est un peu bizarre ça. Oh, Kenji, je fais une vidéo. Juste alors. Je pense que c'est un peu bizarre, mais j'aime bien le mac fromage. Le mac et fromage. Comment on dit dans mac and cheese en français? Le mac fromage. Ça sent bien. J'aime bien le mac fromage, mais avec l'avocado et sriracha. La combinaison est très bizarre, je comprends. Mais c'était tellement bien. Je peux pas expliquer. J'ai changé mes vêtements parce que les autres vêtements n'étaient pas trop confortables et je vais créer les TikTok maintenant.
La violence. La violence pure. J'ai fini mes tic-tac. Ben, finalement, ils sont finis. Maintenant, c'est 5 heures. Je voudrais quelque chose avec sucre. Donc, je vais créer un petit smoothie. Je sais pas comment on dit dans le français. Comment dit-on snack en français? Raven. Non, mais vraiment, comment dit-on snack? Est-ce que c'est petite manche? C'est quelque chose comme ça, non? Tu m'aimes? Ah, merci. Je t'aime aussi. Elle, c'est pour la manière avec tu regardes-moi. Oh, c'est parce que t'es la seule, je vois. V, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Et c'est beaucoup plus que... Avant, je continue avec mes travaux. Je vais manger. Je n'ai pas faim, mais c'est l'heure. Donc, ouais. Je vais commencer avec le riz. Ok, j'ai une histoire. Donc, j'étais dans la classe française. Et en ce moment, c'était ma première année au lycée. Nous avons étudié la différence entre le passé composé et l'imparfait. Évidemment, quelque chose que je ne raconte pas en ce moment. Et je n'ai pas compris qu'il y a une différence entre je suis fini et j'ai fini. Et donc, nous avons eu un petit quiz. Et quand j'ai fini, j'ai dit, oh madame, je suis fini. Et elle m'a dit, bah, mais je suis désolée. Et la classe, ils ont rigolé beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas compris au début, mais après quelques moments, j'ai compris que j'ai dit « je suis fini » et pas « j'ai fini ». Et après ça, je n'ai jamais oublié la différence. Il faut nettoyer le riz. C'est nécessaire. Et quelquefois, hein? Bien. J'ai soif. Zut alors. Zut alors. Ya. Ya. Peut-être si je mets plus chose là-bas, ça peut aider avec la... Ça. Thank you.
Après, je vais mettre le cilantro dans le riz. Je l'ai acheté à Trader Joe's. Ah, et finalement, l'œuf. La combinaison est un peu bizarre. Mais je suis quelqu'un comme ça. Je mange les combinations de la nourriture très très bizarre. Ouais. Ok, bien, fini. Bon appétit. Dans l'esprit de la journée, je vais regarder le plein cul avec mon dîner pour pratiquer français plus. Waouh! La femme a toujours été de l'homme. Le plus fidèle compagnon. On lève la main. Le jour n'est pas fini. Maintenant, je dois lire pour mon cours qui s'appelle Chinoise Femme Écriture. Ouais, je lis un auteur qui s'appelle Lu Yin. Et après, je finis ça, je dois regarder les vidéos pour la classe. Ils sont les films si longs.